Au palais Léomba, nous sommes revenus à Libreville de l'Assemblée nationale. Ce matin se tenait la réunion du bureau et de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Richard Auguste Onouvier, le président de l'institution, présidait les travaux. Voyons cela avec Nicolas Monsard et Tim Boulengue. Autour du président Richard Auguste Onouvier, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont essentiellement axé leurs travaux sur la situation des textes présents au palais Léomba. Ils sont 21 au total sur la table des députés, dont 9 étaient en attente d'examen et d'adoption en séance plénière. Parmi ces textes, 7 projets de loi de ratification d'ordonnances autorisant l'État gabonais à contracter des emprunts auprès des banques étrangères. À la suite de la réunion du bureau, celle de la conférence des présidents a entériné la décision de l'organe dirigeant de l'Assemblée nationale sur la convocation d'une plénière en fin de matinée. Richard Auguste Onouvier a saisi l'opportunité de la présence du ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Léon Dzouba, pour saluer la réactivité du gouvernement dans le traitement des dossiers législatifs en cours. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a informé la conférence des présidents de la tenue prochaine au palais Léomba d'une réunion d'échange avec les juges constitutionnels sur les différents aspects du processus électoral peu avant son entrée dans l'hémicycle où il a présidé la séance plénière qui a vu l'adoption en première lecture des 7 ordonnances d'emprunt et de 2 propositions de loi. Formation.